Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va être un peu particulière. On va parler de choses un petit peu tabou, un petit peu cracra, en tout cas ce qui est vu par la société comme étant cracra alors qu'en fait ça ne l'est pas. Mais je pense que c'est important puisque je vous en ai parlé un peu sur Instagram. J'ai fait plusieurs consultations auprès de mes proches, donc de naturopathie, pour m'entraîner et le constat était qu'on n'observe plus en fait le fonctionnement de notre corps. On est vraiment complètement déconnecté de comment il fonctionne et des choses qui sont importantes à observer au quotidien, puisqu'on s'est complètement remis entre les mains de la médecine, et c'est vraiment dommage. Donc là, en fait, le but, c'est de vous rendre un petit peu plus acteur de votre quotidien, des fondamentaux auprès de votre santé, pour que vous puissiez être alerte à ce niveau-là et conscient de votre propre corps, puisque bah, c'est vraiment le but de la naturopathie, en fait, de vous rendre acteur de votre propre santé. Et ça passe par des petites observations, comme je vais vous citer dans la suite de la vidéo. Alors par contre, ne vous offusquez pas, on va parler de pipi, caca, prout, etc. Donc c'est des choses qui font soit beaucoup rire, soit qui mettent très très mal à l'aise. Et bah, c'était important pour moi de vous en parler, puisque c'est très très important au niveau de notre santé. Et en plus de ça, ça pourra peut-être vous préparer psychologiquement si jamais vous allez voir un naturopathe, puisque tout ce dont je vais vous parler là, on va les poser sous forme de questions pendant la première consultation en naturopathie dans l'anamnèse. Et c'est vrai que quand on est un petit peu prude, un petit peu gêné par rapport à tout ça, si on n'est pas au courant, ça peut mettre très très mal à l'aise le jour où on arrive à la consultation de naturo. Donc au moins vous serez prévenu, mais au-delà de la consultation, c'est des choses qui sont importantes pour vous-même en fait à mettre en place dans votre quotidien, à observer dans votre quotidien pour prendre soin de votre santé et être au courant du fonctionnement de votre corps, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le premier signe à observer, et c'est peut-être la première chose à faire le matin en se levant, c'est d'observer sa langue et son haleine du matin. Avant toute chose, je vous ai fait une vidéo sur l'hygiène buccale qui est vraiment assez complète, je pense, pour savoir comment prendre soin de sa bouche, et ça se fait notamment le matin. Donc je vous la mets dans le petit ici ou dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir, je pense que ça peut vous apprendre pas mal de petites choses. Revenons à notre langue, donc c'est très important de la regarder le matin. En effet, la langue, ça va être une zone de détoxination, c'est un mot qui est difficile à dire, qui se fait pendant la nuit, et donc forcément le matin on peut voir ou non des traces de toxines dessus. Donc par exemple, si votre langue est rose, rose d'un bon rose comme elle est en pleine journée, c'est que a priori il n'y a pas eu trop de toxines. En revanche, si elle est rose un peu pâle, c'est que là votre langue est un petit peu chargée. Et s'il y a en plus des dépôts blancs dessus, donc un petit peu ouais, des petits dépôts blancs, ça va pas être uniforme sur la langue, c'est que là la langue est très chargée et donc il y a eu besoin d'éliminer pas mal de toxines. Alors il n'y a pas tellement de normal ou de pas normal. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est est-ce que c'est récurrent. Si la langue est constamment chargée, c'est que le foie est peut-être un petit peu engorgé et qu'il a vraiment du mal à s'en sortir. Et donc la langue va vraiment être une voie d'évacuation. Pour ça. En revanche, si c'est juste après un repas chargé que vous avez fait la veille, un repas de famille, un repas de fête, là c'est tout à fait normal et il n'y a pas besoin de s'inquiéter. C'est vraiment sur la récurrence que là on peut se dire qu'il y a vraiment un problème et que le foie est vraiment chargé, qu'il a besoin d'être soutenu pour éliminer un peu le surplus de toxines. Et forcément, donc ça peut passer par des compléments alimentaires qui vont aider le foie, mais avant tout ça passe bien évidemment par l'hygiène de vie et l'alimentation. Concernant l'haleine, donc forcément ça va en général de pair avec la langue chargée le matin. On a la bouche qui est pâteuse, l'haleine qui est pas forcément ultra fraîche. Donc ça c'est toujours en rapport avec le foie, avec les toxines qui sont sorties pendant la nuit. Mais on peut aussi avoir des problèmes de mauvaise haleine au cours de la journée. Il y a des personnes qui sont vraiment tributaires de ça et c'est vraiment compliqué pour eux. Et en réalité, bah, c'est encore une fois tout un problème de foie. C'est-à-dire que lorsque le foie est chargé, il va avoir du mal à éliminer et du coup ça va produire des gaz qui vont sortir par la bouche. Donc c'est pas forcément hyper agréable, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et pas seulement se résigner à dire bon bah c'est comme ça, c'est de famille peut-être ou quoi que ce soit. Non, c'est qu'il y a vraiment un problème physiologique qui doit être réglé par l'hygiène alimentaire et par des détoxinations. En général, ça peut venir d'autres choses aussi, mais c'est très très souvent lié à la mauvaise digestion des protéines, qu'elles soient animales le plus souvent, mais aussi des protéines végétales qui sont mal assimilées, mal digérées et qui vont créer cette fermentation et qui donc après va créer cette mauvaise haleine. Donc très important, vraiment observer sa langue et son haleine le matin et contrôler aussi son haleine au cours de la journée. Encore une fois, pareil pour l'haleine, si c'est de temps en temps, bah c'est peut-être que quelque chose est mal passé, que vous n'êtes pas très bien sur le moment. Par contre, si c'est un problème qui est récurrent, c'est que là il y a un problème de fond qui a vraiment besoin d'être géré, sinon bah, ça va vraiment être l'escalade en fait. Ça c'est vraiment tous les signes dont je vais vous parler là, ça va être des premiers signes qui vont être un petit peu des lanceurs d'alerte, comme on aime bien utiliser en ce moment, pour soulever un problème sous-jacent qui peut après dériver vers des vraies pathologies. Donc c'est important d'en prendre compte et de faire attention à tous ces signes-là, puisque on est vraiment au tout début, donc ça peut être très facile de corriger le terrain et de revenir un peu à l'état de normalité, de santé. Ensuite, le deuxième signe, c'est aussi à observer le matin, il va s'agir de nos urines.
En effet, avant c'était vraiment normal en fait de regarder la couleur de ses urines et maintenant j'ai l'impression que ça ne l'est plus du tout du tout, alors qu'en fait c'est super important. Encore une fois, la nuit le corps en profite pour se détoxiner, se régénérer, éliminer un maximum. Donc forcément toutes les sécrétions du matin en général devraient être plus chargées que celles de la journée. Et c'est valable du coup pour les urines. Je sais que moi quand j'étais petite on m'a rabâché que si mes urines étaient jaunes c'était vraiment pas bien du tout, qu'elles devaient être blanches, enfin blanches, non plutôt transparentes, sinon c'est que je ne buvais pas assez. Alors ça c'est vrai pour la journée, en effet en cours de la journée nos urines doivent être plutôt claires puisqu'on élimine juste le surplus hydrique en fait que l'on boit, et ça c'est tout à fait normal, que ce soit jaune clair ou transparent c'est à peu près normal. En revanche le matin nos urines doivent être jaunes voire jaune foncé parce que c'est là où le rein va éliminer un maximum de toxines. Et personnellement j'ai vraiment vu la différence en fait en comparant mes urines d'avant que j'ai mis en place des principes naturopathiques dans mon hygiène de vie et mes urines de maintenant. Et c'est vraiment très très important, le rein va éliminer un maximum de toxines durant la nuit, donc il va travailler, et du coup le résultat de ça c'est que vos urines vont être chargées en fait de toutes ces toxines là, donc elles doivent vraiment être foncées. Si elles sont claires, encore une fois on va juger sur la récurrence, si c'est clair une fois de temps en temps parce que vous avez mal dormi, parce que vous n'êtes pas très bien, forcément le rein il n'a pas pu opérer son boulot de détoxification et de régénération puisque le corps n'était pas apte à faire cela, puisqu'il ne s'est pas assez reposé par exemple. Par contre, si c'est tout le temps, si c'est constant, si vos urines le matin sont systématiquement claires et qu'il n'y a pas forcément de différence de couleur entre vos premières urines et les urines de la journée, là c'est qu'il y a peut-être une petite question à se poser par rapport à votre rein. Encore une fois, tout ce que je vous dis là, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, que vous avez une pathologie, que vous avez une insuffisance rénale par exemple, mais ce sont des signes à prendre en compte et du coup, essayer de réguler son hygiène de vie pour rétablir le bon fonctionnement en fait de vos organes et monctoriels, mais c'est pas du tout figé dans le marbre. Bien sûr, tout ce que je vous dis là ne remplace pas une consultation chez le médecin s'il y a vraiment un problème avec votre rein. Là, ce sont vraiment des petits signes en fait à faire attention pour que vous puissiez corriger vous-même la donne. Ensuite, je pense que vous l'avez en mille, le troisième signe qui est à observer après les urines, ce sont les selles. Alors ça, je pense que c'est le plus tabou de tous. Regardez ces selles, mon dieu, c'est horrible, c'est vraiment abominable. Et pourtant, ça fait partie de vous, c'est vous qui avez éliminé cette chose-là, donc c'est quand même un peu logique de regarder ce qui s'est passé. Regardez ces selles, c'était pourtant tout à fait commun auparavant. Vous le savez peut-être, mais quand on pose la question comment ça va, à l'époque, c'était pour dire comment ça va à la selle, puisque c'était très important de savoir comment se déroulait le transit. C'est quelque chose qui s'est vraiment... complètement oublié, qui est devenu complètement tabou maintenant, alors qu'en fait c'est primordial de regarder ses selles. Une selle normale, pour vous donner une idée, elle doit être non odorante, bien moulée, ne pas faire de traces ni sur l'anus ni dans les toilettes, c'est ce qu'on appelle un petit peu le perfect. Alors si vous n'y êtes pas encore, ce n'est pas très grave, encore une fois il y a plein de choses à faire pour corriger le transit et c'est pas forcément évident, mais du coup c'est important de regarder dans quel sens un petit peu c'est déséquilibré. Est-ce que c'est plutôt dans une sorte de constipation, c'est-à-dire que ça va être dur à éliminer? Est-ce que ça va être beaucoup trop moulé, c'est-à-dire faire des petits morceaux bien colmatés? Est-ce que au contraire ça va être plutôt diarrhéique ou ça va être un petit peu déchiqueté, ça va faire des traces dans la cuvette, ça va être très odorant, etc. C'est des choses qui sont importantes à regarder pour essayer de corriger encore une fois après notre transit. Important aussi à regarder, c'est est-ce qu'il y a des aliments que vous retrouvez entiers dans vos selles. Donc ça c'est quelque chose qui maintenant, enfin quand je pose cette question là, en général ça choque un petit peu tout le monde et personne ne sait me répondre puisqu'on a perdu cette habitude là, mais en réalité parfois on peut retrouver par exemple la peau des tomates qui ne se digère pas, on peut retrouver des graines aussi, c'est très fréquent que les gens ne digèrent pas correctement les graines et qu'on les retrouve quasiment en entier. D'où l'importance de la mastication, soit dit en passant, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Observez vos selles, ça peut aussi vous donner un indicateur sur votre cycle de digestion, puisque on va estimer que un transit normal c'est d'aller à la selle une à deux fois par jour, et en fait on se rend compte qu'on est très très loin du compte pour la plupart d'entre nous. Si vous allez à la selle moins d'une fois par jour, on peut dire qu'on est déjà en constipation. C'est vrai qu'on a l'idée de la constipation comme quoi c'est extrêmement dur d'aller à la selle, que ça fait mal, qu'on y reste des heures pour sortir une petite crotte. En réalité ça c'est la constipation extrême, mais la constipation commence dès lors où on ne va pas à la selle tous les jours puisque ça reste déjà trop longtemps dans le tube digestif. Attention, il peut y avoir des petits leurres un petit peu, c'est à dire qu'on peut aller une fois à la selle tous les jours, mais en réalité on va pas éliminer les bonnes selles, c'est à dire qu'on peut éliminer tous les jours sauf qu'on va avoir du retard et éliminer peut-être celle de la veille. C'est juste qu'on a un transit hyper long, donc au niveau de la fréquence c'est rythmé pour en faire une par jour, mais on va pas éliminer la bonne selle, dans le sens où celle qu'on élimine est trop vieille par rapport à celle qu'on aurait dû éliminer. Et pour ça c'est vraiment très important de
d'observer en fait le temps de digestion par rapport au moment où vous ingérez l'aliment et au moment où vous l'excrétez. Et pour ça on peut utiliser des marqueurs, donc il y en a vraiment différents. Vous pouvez, le plus courant c'est en général la betterave, vous avez aussi tout ce qui est épinard et spiruline, il faut en prendre des assez grosses quantités pour que ça colore, mais ça peut vraiment être intéressant si jamais vous avez des doutes, parce que vous pouvez aller à la selle tous les jours mais quand même observer que ce sont des selles un petit peu dures, qui peuvent faire parfois un petit peu mal, et là c'est que on devrait peut-être parfois s'alerter. Donc n'hésitez pas à faire le test en mangeant certains de ces marqueurs comme je vous ai dit, pour observer en fait à quel moment vous allez les retrouver dans votre cuvette, et là au moins vous aurez une indication en fait de savoir si est-ce que votre transit a besoin d'être aidé pour être un petit peu accéléré ou pas. Dernière chose par rapport au sel, et après on passe au signe suivant, pour les femmes pendant le cycle menstruel, forcément votre transit va être un petit peu dérangé, donc ne vous inquiétez pas si vous alternez entre constipation et diarrhée pendant cette semaine à peu près, ou si c'est même complètement diarrhéique ou complètement de la constipation. Je peux pas vous dire que c'est normal puisque le cycle doit être régulé, il y a des choses à faire à ce niveau là, mais ce n'est pas non plus complètement anormal, et c'est normal aussi que ce soit un petit peu dérangé par rapport à d'habitude. En revanche, si c'est, comme je vous disais, complètement diarrhéique ou que vous êtes complètement constipé pendant cette période, il y a quand même des choses à faire. Là, ça n'est pas normal. Il doit y avoir un juste milieu. Que ce soit un petit peu dérangé, c'est normal puisque la période est un petit peu particulière par rapport à votre vie de tous les jours. Mais que ce soit complètement anarchique à ce niveau-là, là, il faut s'en occuper et voir ce qui peut être rétabli, équilibré pour que ça aille mieux. Le quatrième signe peut être encore plus tabou, encore plus gênant que celui d'avant, il va s'agir des pets. Je ne sais pas d'où c'est venu cette croyance qu'il ne fallait pas péter, que c'était sale, que péter c'était totalement honteux, etc., etc. Puisque tout le monde le fait, tout comme tout le monde va faire pipi, tout comme tout le monde va faire caca. Mais c'est devenu hyper tabou, en société notamment, dans le couple aussi, ce sont vraiment des choses dont on ne parle pas, dont on est très gêné si ça arrive en public, etc. Et pourtant, comme je vous le disais, tout le monde pète et c'est tout à fait normal. Pendant votre digestion, ça va se jouer notamment avec des fermentations, donc plus ou moins fortes en fonction de si votre transit est plus ou moins régulé, mais tout cela, ça produit des gaz et il faut bien les éliminer. On les élimine notamment par la respiration, ça c'est plutôt accepté en général, mais aussi par les pets, et c'est tout à fait normal. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est de péter à outrance et que ça devienne vraiment gênant pour vous. Là forcément, c'est que votre transit est beaucoup trop perturbé, qu'il y a des fermentations beaucoup trop importantes, et il faut regarder ce qui s'y passe pour réguler en fait ce taux de fermentation. Vous pouvez pour ça d'ailleurs faire attention à ce que vous mangez et aux conséquences que ça va avoir sur vos ballonnements et sur vos gaz. Donc déjà sachez qu'il y a deux types de gaz, il va y avoir les gaz odorants, et donc ces gaz là vont en général marquer un problème de digestion au niveau des protéines. Donc c'est très intéressant d'observer, voilà, si vos gaz sont odorants, qu'est-ce que vous avez mangé avant, avec quelle association alimentaire vous avez fait pour que les protéines que vous avez mangées soient mal digérées. A l'inverse, on peut aussi avoir des gaz inodorants, donc c'est ceux qu'on produit le plus, et ça peut venir d'une mauvaise digestion des sucres. Donc si vous avez des gaz tout à fait normaux de temps en temps, comme une personne lambda, c'est pas forcément obligé de s'y intéresser. Par contre, si ça devient contraignant, que ça s'accompagne de douleurs, de ballonnements, et que c'est vraiment handicapant pour vous au quotidien, que ce soit pour la vie en société ou pour votre propre douleur, votre propre confort aussi, c'est important de regarder du coup ces deux signaux-là, et de faire vraiment le parallèle avec ce que vous avez mangé auparavant. Donc si ce sont des gaz odorants, comme je vous disais, qu'est-ce que vous avez mangé au repas précédent, avec quoi vous avez accompagné la protéine, est-ce que là c'est la protéine en question qui pose problème, ou est-ce que c'est avec ce avec quoi vous l'avez mangé qui pose problème. Vous pouvez peut-être établir un petit carnet d'alimentation où vous notez tout ce que vous mangez et le résultat un peu sur vos ballonnements, sur vos douleurs au niveau du ventre, sur vos gaz, pour après remonter un petit peu le fil et regarder ce qui vous pose problème pour soit l'éliminer, soit apprendre à le manger différemment pour que vous puissiez le digérer correctement. Et enfin, le cinquième signe qui est à observer, ça va être la transpiration. Donc ça c'est tabou juste pour la moitié des humains, c'est très très drôle. Un homme qui transpire, il n'y a aucun souci, ça peut être même plutôt viril et sexy. Une femme par contre, là c'est très délicat, c'est un petit peu dégoûtant même. Encore une fois, c'est un autre sujet, mais la transpiration c'est très très important à observer aussi, puisque c'est une élimination corporelle, donc faut y prêter attention aussi. Il y a plusieurs cas de figure concernant la transpiration. Le premier, et ça concerne justement à cause de tout ce que j'ai dit par rapport à avant, comme quoi pour les femmes c'était assez sale, assez dégoûtant, la femme a développé des capacités qui vont bloquer la transpiration. Donc ça peut concerner aussi des hommes, hein, mais c'est majoritairement féminin. Et donc voilà, ça c'est le premier cas de figure, on peut ne pas transpirer, on peut faire tous les efforts du monde, on peut courir un marathon, si on a une petite goutte de sueur sous les selles, ça va vraiment être le bout du monde. Et ça c'est vraiment problématique, puisque la transpiration, en fait, ça va aider donc à réguler la volémie, la température corporelle, donc déjà ça c'est important, mais ça va aussi être une voie d'élimination des toxines. Et si cette voie est complètement fermée, ça pose problème, puisque
les organes émonctoriels, ce sont un petit peu des vases communicants. Donc si jamais la voie de sortie par la transpiration est bouchée, bah forcément tous les acides qui devaient sortir par cette voie-là vont être reportés sur un autre organe. Et l'organe qui travaille avec la peau concernant les acides, ça va être les reins. Donc si vous ne pouvez pas éliminer par les deux voies, et du coup le rein va se prendre une double surcharge et ça va le fatiguer davantage parce qu'il devra traiter deux fois plus de toxines, de déchets à éliminer. Et forcément ça c'est pas très bon à l'usage, ça va justement l'user, le fatiguer et il pourra moins fonctionner. Alors c'est pas évident de retrouver des capacités à transpirer, il y a plein de techniques comme le brossage à sec qui vont par exemple, qui va réveiller un petit peu les glandes, faire du sport forcément plus vous en ferez plus ça va réhabituer votre corps à éliminer par cette voie là, il y a aussi tout ce qui va être sauna qui va vraiment être bénéfique, il y a aussi après des pratiques un petit peu plus complexes que l'on ne peut pas faire dans son quotidien mais qui peuvent être bonnes à faire de temps en temps si vous avez l'envie et les moyens, ce sont les enveloppements aux huiles essentielles. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont permettre à votre corps de se réhabituer pour transpirer à nouveau. Ensuite il va y avoir l'extrême inverse, la personne qui va transpirer à outrance, dès qu'elle monte un escalier elle va être en nage, donc là aussi c'est pas tout à fait normal parce que vous allez perdre beaucoup d'eau, ça peut vous déshydrater, vous allez peut-être même emporter des bonnes choses avec vous dans l'eau que vous allez excréter et pas seulement des toxines, donc là il y a quand même des petites régulations à faire, faut vraiment faire un travail de fond, donc je ne peux pas vous donner des conseils comme ça en vidéo, mais c'est aussi un marqueur qui est important à noter et du coup après peut-être voir un naturopathe pour essayer de régler ce petit problème là. Donc là on va parler quand même d'un autre cas de figure dont vous pouvez faire attention et traiter vous-même la chose on va dire. Donc la transpiration ça va aussi généralement avec des odeurs et justement il y a un juste milieu par rapport à ça. La transpiration normale si je devrais dire ça, c'est que vous transpirez, ça c'est normal à l'effort, donc encore une fois si vous faites un petit peu de sport, si vous courez un petit peu, s'il fait très chaud forcément, c'est pas forcément à l'effort mais ça c'est normal aussi parce que ça va régler la température, mais si vous transpirez, la transpiration normalement ne devrait pas tellement être odorante puisque voilà c'est de l'eau avec des déchets certes mais ça ne devrait pas forcément être trop odorant, ça devrait être comme de l'eau. Par contre il se peut, et c'est très fréquent d'ailleurs, que la transpiration soit assez odorante, assez acide, assez âpre, et donc ça, bon alors forcément si vous avez fait du sport le matin et que vous n'avez pas pu vous doucher, que vous rentrez le soir et que ça sent un petit peu la transpiration, c'est normal parce qu'au bout d'un moment avec l'humidité, les bactéries vont fermenter encore une fois et créer cette odeur là, ça c'est tout à fait normal. Moi je parle vraiment de la transpiration qui sent mauvais au moment où elle est sécrétée en fait. Là c'est beaucoup moins normal puisque ça prouve qu'il y a encore une fois une surcharge. On a parlé tout à l'heure que quand la transpiration ne pouvait pas s'évacuer, c'est que les toxines ne pouvaient pas sortir. Là c'est peut-être qu'elles sortent en trop gros nombre, donc c'est vraiment que c'est surchargé. Et comme on a toujours en tête nos idées de vases communicants, c'est peut-être que le rein a du mal à faire son travail et que du coup il relargue un petit peu de ses acides à éliminer vers la peau qui elle fonctionne à peu près normalement. Donc c'est si vous vous sentez mauvais au niveau de votre transpiration, ce n'est pas forcément que votre peau a un problème, mais peut-être voir au niveau du rein. Ou aussi peut-être que c'est un problème hormonal, et ça c'est très fréquent, on le voit notamment au niveau de l'adolescence. C'est vrai que les adolescents ont une transpiration qui est assez costaud, assez forte, c'est pas anormal pour le coup, c'est vraiment tout un système au niveau des hormones. Sauf que si vous avez passé cette phase d'adolescence et que vous êtes encore dans ce cas de figure, c'est peut-être que vous avez des dérèglements hormonaux qui peuvent être régulés, encore une fois, grâce à la naturopathie, pardon, ou à la médecine. Et là encore une fois on peut nuancer aussi, si vous transpirez vraiment à l'effort et que ça sent mauvais, c'est peut-être un petit peu moins dérangeant que si vous transpirez très peu mais que l'odeur va être très forte. Donc là ça veut dire qu'il y a vraiment un problème d'élimination et que les déchets sont concentrés, donc il y a encore une fois des choses à faire. Donc vous voyez déjà rien qu'au niveau de la transpiration vous avez pas mal d'observables à regarder, à sentir pour le coup, et ça peut vraiment vous donner une indication de comment fonctionne votre corps, comment fonctionne votre peau, vos reins aussi, puisque les deux fonctionnent en général ensemble. Donc c'est vraiment très très intéressant, et encore une fois avec l'expérimentation par rapport à votre alimentation, tout comme pour la couleur de vos urines, pour comme vos selles, pour votre langue au réveil, etc. Vous pouvez vous-même faire des expériences sur votre alimentation, sur votre hygiène de vie par rapport à votre sport, sur la manière dont vous buvez, etc. pour voir si ça modifie quelque chose dans votre fonctionnement. Et ça peut être très intéressant et ça vous rend vraiment acteur en fait de votre santé et de voir ce qui fonctionne pour vous ou non. Donc c'est vraiment super intéressant. Après, si ces désordres-là continuent malgré tout ce que vous avez mis en place au niveau de l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie, bah là il sera peut-être temps de consulter un naturopathe pour voir si vraiment il n'y a pas un problème sous-jacent qui est un peu plus important, ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous ne saviez pas, pour régler ce problème-là. Vous avez aussi le choix de la médecine, puisque parfois ça relève de la médecine. Si on parle bien sûr d'insuffisance rénale par exemple, ou de constipation extrême, de problèmes intestinaux que la naturopathie ne peut pas résoudre, vous avez aussi la médecine. Et c'est toujours bon d'ailleurs de consulter son médecin aussi en parallèle d'un naturopathe. Vous allez avoir les deux avis et les deux peuvent travailler ensemble en plus de ça pour s'occuper de votre cas en particulier.
Donc voilà, ce sont les 5 signes que je trouve hyper importants à regarder au quotidien puisque ça fait partie de votre corps et que ça vous donne une multitude d'informations sur votre propre fonctionnement. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça ne vous aura pas trop gêné ou quoi, parce que ce sont des choses dont on n'a pas l'habitude de parler. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment énormément. Si ça vous a plu, je vous invite à me mettre des petits pouces en l'air, ça m'encourage vraiment à faire d'autres vidéos de ce style-là sur la naturopathie, etc. puisque j'ai l'impression que ça vous plaît de plus en plus. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner aussi à la chaîne puisque ça m'encourage d'autant plus et ça me fait vraiment extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et que ça intéresse un plus grand nombre, donc n'hésitez pas à le faire, voire à partager autour de vous si ça peut intéresser des personnes de votre entourage. Et on peut se retrouver soit dimanche prochain dans une nouvelle vidéo, soit sur Instagram pour me voir un petit peu dans mon quotidien. Bye.